Alors aujourd'hui, comme j'ai l'intention d'être absolument pas productive, je me suis dit, tiens, et si j'allais embêter quelqu'un? Et là, je me suis dit, tiens, Wutan, cet homme fantastique, a eu beaucoup de problèmes dernièrement avec son PC. Pourquoi ne pas aller lui donner de l'amour? Parce que quand ce genre de choses t'arrive, tu as besoin de beaucoup d'amour. Alors pourquoi pas faire revivre la love industry pour aller donner beaucoup d'amour à Wutan, qui en a besoin. Oui, j'ai un grand cœur. Je fais ça vraiment, c'est pour aider Wutan. C'est vraiment pas pour l'embêter ou pour qu'il arrive chez lui en se disant « Eh merde !» Oui, d'ailleurs, j'ai atteint le stack de décès. Donc, j'ai investi dans des assurances vie MK Bank. Bon, en fait, je les ai volées à Zanzag parce qu'il en a acheté un stock plein. Parce que l'objectif à partir de maintenant, c'est de finir la saison avec mon stack de mort. J'en veux pas plus. Donc, il me faut minimum 2 assurances vie sur moi en permanence. Pour redécorer de façon extrêmement gentille et pleine d'amour la base de Wutan, on a besoin de laine rose, plein de laine rose et des fleurs. Ça me paraît bien. Vous croyez qu'on aura assez de roses? Parce qu'en fait, j'ai envie de recouvrir ces pyramides. Parce que vous savez, comme je suis une connasse, faudrait pas que je fasse les choses en petit. Je pense qu'on peut faire un mélange rose et magenta. Comme ça, on peut faire 2 fois plus de merde. Voilà. Ok, 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 et ok. Eh ben, ça me paraît pas mal tout ça. Alors, nous sommes chez Monsieur Wutan. Comme vous pouvez le voir, c'est très très classe, mais ça manque de rose, donc pour l'aider, nous allons tous changer en rose. Allez, on va commencer par la grande pyramide. Parce qu'à mon avis, quand on l'aura fini, eh bien, j'en aurai marre. Un zébardi, hein. Oui, 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 oui. Non, je fais pas une prank chez Wutan. Je lui donne de l'amour. C'est différent. C'est pas une prank, c'est de l'appréciation. Ça passe comme excuse ou pas du tout? Mais aïe! Ah, y a une grosse marche. J'avais pas vu l'envers du décor. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée de non-génie. Attends, regarde, je fais ça. J'entends, je suis en train de me dire, si je fais ça, que j'enregistre le schématique et après je mets le Easy Place Mode. Attendez, on va peut-être arnaquer le truc. Mais non, je mets le Easy Place Mode. Pardon. Je pense qu'on peut faire ça, hein. Ça sera plus rapide, non? Est-ce que je peux... Est-ce que le temps... Ouais, parce que si je fais ça, en fait, ça marche bien aussi, hein. Ouais, je vais m'arrêter là, comme ça. Parce que ça marche quasiment aussi vite de le faire à la mano, hein. Ah, salut Gold. Ça va? Bien, et toi? Oui. Du coup, bah, si tu veux, tu peux même commencer l'autre pyramide qui est un peu plus petite. Ça roule. Il y a un bout à combler, mais je pense qu'en termes de forme de pyramide, c'est des carrés à faire. Donc ça va bien se passer. Comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Mais c'est même pas mettre un pansement sur une jambe de bois, là. C'est prendre la jambe de bois, la peindre en rose et mettre un pansement par-dessus. Faudra fournir les cisailles. C'est pas faux. Je lui laisserai une shulker, kit de démontage avec des cisailles. Ou du feu. On brûle tout. Faut que j'aille checker ma cheminée. Je vous laisse 12 secondes et demie. Je reviens tout de suite. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut que je vous occupe. Alors qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et si je vous lisais la page Wikipédia concernant la poule? La poule est un nom vernaculaire ambigu en français. Poule est le nom donné généralement à la femelle de plusieurs espèces d'oiseaux, principalement les galliformes et en particulier à la poule domestique, Gallus gallus domesticus. Ce terme peut être utilisé pour d'autres espèces d'oiseaux, la poule d'eau, la poule faisane, etc. L'étymologie du vocabulaire, le substantif féminin poule prononcé poule, je suppose, est issu du latin classique pula, féminin d'adjectif pulus, qui signifie tout petit, et pris substantivement désigne le petit d'un animal tel que le poulain, un jeune coq et surtout le poulet. Le terme poule est attesté depuis le 19e siècle. La plus ancienne occurrence connue se trouve dans un manuscrit du roman de Renard et Campé. Le terme a dit fantasme d'ancien français Jésus, qui avait sorti jeune poule. C'est pour la poulette qui porte le nom de son âme. Le rose est rose. Oui, le rose est rose, le rose est beau, le rose est merveilleux. Le rose est la plus belle couleur. D'ailleurs, Gold, vu que tu aides, si tu veux mettre un peu d'or un peu par-ci par-là, c'est pour, si tu sais, c'est pour mettre ta patte sur ta pyramide, tu peux, hein. Oui. Je ferai un joli cœur en or. Ah oui. Ah, tellement beau. C'était quoi ton rêve d'enfant niveau travail? Tu voulais faire quoi? Alors, quand j'étais petite, je voulais être un chat. Pas mal. Autant te dire que c'est assez compliqué niveau travail de trouver un poste de chat. Après, j'aurais pu travailler chez Le Chat, la marque de lessive. Et du coup, je suis devenue youtubeuse. Ouais, quand même, je suis pas youtubeuse d'abord. Ah merde. Je suis juste allée sur des creepers. Mais pourquoi ils meurent pas, les creepers? Ils sont pas censés brûler, les creepers. Genre, non.
Non ? Non, c'est que les zombies, les squelettes. Oh, terrible. Bon, bah, tuons les creepers. Les pauvres. Ils voulaient peut-être donner de l'amour, eux aussi. Non, je suis pas sûre. Ah bon ? Je suis pas vraiment, vraiment sûre. Surtout ceux qui sont à côté des shulkers, je suis pas sûre qu'ils veulent donner de l'amour. Eux en particulier, surtout, là. Un petit lapin ! Bonjour, un petit lapin. Oh ! Je viens de voir un suicide de lapin. Je lui ai fait peur. Oups. Mais oui, le pauvre lapin, mais c'est pas ma faute, il s'est suicidé. Il a trouvé que c'était trop beau et il s'est dit, c'est bon, j'ai réussi ma vie grâce à toi, j'ai vu des choses incroyables, et il s'est suicidé. Il a trop vu de rose, non! Ou alors il était juste épileptique à cause du rose. C'est une pyramide avec du PQ qui intuple l'épaisseur. Ah bah super! En vrai, c'est pas faux. Oh, vous avancez bien de votre côté, hein. Oui. Je vais vous aider avec le magenta, comme ça cette tour elle sera finie en magenta. Alors, je fais la même couche que toi mais plus loin, comme ça t'auras l'impression d'avancer deux fois plus vite. Oui. C'est pas mal. Bien, salutations à ceux qui arrivent. Et comment allez-vous? Ok, personne qui vient d'arriver, dis-moi quel est ton plat préféré. Et attention, si ça ne me convient pas, tu es ban. Les lasagnes, ok, c'est validé. Poulet au curry, oh c'est bon le poulet au curry. Ah non, pas les pâtes au saumon, désolé Nathan BGR. Mais c'est un ban pour vous. Mais non, le ban, il sait pas. Les pâtes au saumon, c'est mauvais. Ne mangez pas ça. Il y a genre du saumon dans vos pâtes. Pourquoi vous mettriez du saumon dans vos pâtes? C'est du poisson. T'es pas de poisson? Non? Oh, pardon. Moi, je dirais que mon plat préféré... Oh! Ça, si j'ai entendu une explosion. C'est pas grave, on voit rien. Je vais reboucher. D'accord, chef. Il y a un énorme trou. C'est pas moi, ça ira pas. T'as fait un trou dans la pyramide ou dans la laine? Les deux. Oh merde. Vas-y, mets un plancement et verra rien. Une passion de géologie qui dit que son plat préféré c'est le pudding à l'arsenic. Alors, j'aime beaucoup la ref, mais je suis pas sûre que ça soit une bonne chose de manger du pudding à l'arsenic. Ah, nous avons de la visite, madame. Ah ah. Mais qu'est-ce que... Mais quel est le pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais c'est dingue. Ah, je mets dans le bleu, mais tant qu'on les agresse pas, ils nous agressent pas, non? Ah non, ici, ils m'agressent un peu, là. Je me sens un peu agressée. Calmez-vous, les copains. Bonjour, je suis cachée. Mourez, bande de moches. Vas-y, je vais t'aider presque en visant absolument personne. Oh, j'en ai eu un. On changerait pas la couleur du beacon en rose? Mais quelle bonne idée. C'est mieux quand même, parce que bon, ça finit sur du jaune, c'est un peu bizarre. Ouais. Ah, j'ai peur. J'ai failli me prendre ton truc en passant devant d'ailleurs, c'est pas mal. C'est pas mal. Opération love, opération amour pour Votan. Oh, opération Votan, on emporte le vent. Pardon. Hop là. Oui, je suis encore avec ma pyramide de PQ. C'est bien les pyramides de PQ. J'aime le PQ. Vous aimez le PQ? J'adore le PQ. Voilà, donc là on finit cette pyramide et après on prend tout ce qui nous reste pour faire... comment ça s'appelle? On va recouvrir tout le reste quoi. Hein. Comme regardez, là on est sur le projet de Wutan. Et là il y a ces pyramides. Est-ce qu'elles sont pas quand même beaucoup plus jolies en rose? Je trouve. Je trouve qu'elles sont mieux en rose. Après, il faudra voir avec lui s'il est pas d'accord. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Je vais faire un gros cœur au milieu là. Parce que vous trouvez pas que ça manque d'un gros cœur là? Moi, je trouve que ça manque d'un gros cœur. Genre, déjà, faut trouver le milieu. Est-ce que je fais ce cœur totalement à l'arrache et je sais pas à quoi il va ressembler? C'est probable. C'est quand même un cœur vachement... je vais l'arrondir un peu. Hein. Il a pas assez de forme ce cœur. Regardez, on voit l'amour dans ce cœur. Les petites fleurs. Ce que je pense qu'il manque aussi, vous voyez, c'est... comment dire? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qui manque. Bon, on va ranger la laine rose. Et on va... comment dire? Est-ce que c'est comme ça qu'on les fait? Oh oui, c'est comme ça qu'on fait des carpettes. Oh, et vous savez ce qu'on peut carpeter avec des carpettes? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut carpeter avec des carpettes? C'est une question pas du tout piège. Alors, j'attends une réponse. Qu'est-ce qu'on peut carpeter avec autant de carpettes? Le ciel, non? Eh bien, la bonne réponse était tout. On va tout carpeter avec les carpettes. C'est parti, carpétons. Je suis extrêmement fatiguée de poser des blocs roses. Mais c'est pas grave, c'est pour la non-bonne cause. On n'est pas du tout sur de la panique. J'ai pas du tout une vidéo à finir avant de démonter mon PC ce soir. Pour pouvoir déménager demain, alors que j'ai préparé aucune de mes affaires, parce qu'il faut que je vois ce qui me reste comme place dans la valise après avoir mis le PC pour voir ce que je peux y mettre. Tout va bien se passer. I love Inc.
Parfait. Je pense qu'on est bien là. Bonjour Monsieur Wutan. Bonjour Monsieur Wutan, suite à vos soucis de PC, la Love Inc. s'est dit que vous avez besoin de beaucoup d'amour. Nous sommes là pour vous aider. Vive le rose. Le rose est beau, le rose est merveilleux. Profitez bien. Ouais. C'est un cadeau empoisonné. Ah, je vais mettre un PS un peu plus loin. PS. Vous pouvez contacter Q pour l'enlevage de laine. Hop. Ok, donc il a de belles cisailles d'amour ici. Incroyable. Je trouve le beacon et je mets le truc par-dessus. Peu importe si ça fait une couleur dégueulasse. Oh putain, c'est vraiment dégueulasse. Oh, faut que j'en mette au moins 3. Ouais, si j'en mets 3, ça fait rose. Allez hop. Ok, où est-ce qu'il y en a un autre? Ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, on va à l'autre. 2 et 4. Parce que pourquoi pas. Ok, est-ce qu'il y a un beacon que j'ai pas vu? Oui, c'est là-bas au fond. Et hop, 4. Parce que... 4. Voilà. Donc j'ai commencé à virer les fermes. Là j'ai déjà viré la ferme à moutons. Du coup là on va faire ces deux là. Voilà. Aujourd'hui nous faisons du rangage de melons. Melon et melèche sont sur un bateau. Melon tombe à l'eau. Qui reste-t-il sur le bateau? Voilà. C'est important de raconter ce genre de blague avec le petit doigt levé quand vous buvez votre café. Oui. Donc aujourd'hui nous allons passer à peu près beaucoup trop d'heures à casser des choses dans la base à Zanzac parce que... YOLO. Voilà, nous allons péter la base à Zanzac. On dit la base à Zanzac ou la base de Zanzac? Tout à l'heure, en voulant écrire le titre, j'étais en mode... Je sais pas trop. Est-ce qu'on va me reprocher d'être une illettrée abrutie si je dis la base de Zanzac au lieu de la base à Zanzac? Et après, du coup, j'ai un petit peu paniqué. Et après avoir paniqué, je me dis, ah, fuck it. Pourquoi est-ce que je détruis la base de Zanzac? Ah, Zanzac, de Zanzac, bref. J'ai envie de faire un grand lac au milieu avec un parc et un marché couvert. Et du coup, j'ai vu avec Zanzac et je vais mettre les fermes dans les marchés couverts. Comme ça, moi, ils seront tout mignons. Franchement, j'ai envie d'essayer la TNT hein, pour tout péter. Oh, mais t'es moche, toi! Excusez-moi. Et il m'a parlé, je lui ai parlé, il est mort. Mais il n'y a eu aucune corrélation entre l'événement 1 et l'événement 2, hein, je vous jure. Désolée. La non-violence avec les moutons. Mais c'était pas moi, hein, c'était... Il s'est retrouvé entre mon bras qui tient une épée et mon épée qui fait un mouvement du haut vers le bas. Mais c'était pas moi. Pardon. Ok, comment on fait de la TNT? Alors je vais aller chercher. S'il faut, il en a déjà. Parce que il faut pas oublier que le nom du bâtiment qui est en face de nous s'appelle Ok Boomer, ce qui est une fabrique à TNT. Donc j'espère que peut-être on peut trouver de la TNT. Oui, non mais c'est ça, il y a eu un coup de vent, il est mort de froid. Si j'étais de la TNT, où est-ce que je serais planqué? Bon, on va la faire nous-mêmes, hein. Allez, c'est parti, en espérant ne pas mourir. Oui! C'est quand même hyper satisfaisant de pouvoir arriver pile au bon étage en un seul coup de fusée. Donc, en premier, ça. Hop. Et après, c'est ça. Ouais! Bien, allons positionner le TNT. Alors, on va faire de façon progressive. En premier, on en met une. Ensuite, on en mettra deux. Ensuite, on en mettra quatre. Ensuite, on en mettra huit. Ensuite, on en mettra 16. Pardon. Alors, juste pour voir si je perce jusqu'à ma grotte qui est dessous. J'ai peur. Je dois vous avouer que j'ai un peu peur. Est-ce qu'on perce jusqu'à ma grotte qui est dessous? Ok. Donc, ça ne perce pas. Donc, on peut en mettre deux. Du coup, on avait dit après le 1, il y en a deux. Et après le 2, il y en a 4. 1, 2, 3. Ah bah tiens, je vais les mettre à côté des unes des autres. Et 4. Bon. J'avoue que j'utilise tellement jamais la TNT que j'y vais un petit peu en petit pipi là. Ouais! Allez, explose! Ouais! J'irai plus vite à l'appel. Oui, mais c'est plus drôle comme ça. Ok, alors j'ai fait en mettre un ici. Donc là, on en a mis 4, du coup, maintenant, on en met 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, je l'ai manqué. Ah, je l'ai manqué. Ah, je l'ai eu. Ah, je l'ai manqué. Ah, je l'ai eu. On a toujours pas atteint le dessous. Hein. Eh, plutôt pas mal. Hein. Oh, on n'est pas si loin du dessous en plus. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On s'arrête à partir du moment où on voit très très fort le trou du dessous. J'ai un peu peur, je vous avoue. Allez, explose ! Espèce de moule. D'ailleurs, c'est mon réveil qui est comme ça. C'est mon réveil de 6h du matin qui s'appelle Debout la moule. Voilà. C'est important que mon réveil m'insulte le matin pour que je me réveille. En même temps, le réveil de 6h, en général, il est violent. Hein. Surtout quand je me couche à 2h avant. Allez ! Oh, mais c'est pas possible. Non, je vais aller les allumer à la main. Hein. Est-ce que vous savez courir ? Parce qu'on va apprendre à courir. Pourquoi il y a un gros trou ? Alors, on s'est fâché très fort avec Zanzag et du coup, j'ai essayé de défoncer sa base. C'est très faux. C'est très très faux. Là, je vais faire un lac. Alors, autant m'amuser un petit peu avec la TNT. Et en fait, il faut savoir que dessous, il y a ma base. Donc, je fais exploser la TNT, mais j'ai un peu peur quand même pour ma base qu'il y a dessous. Voilà. Hop, hop. Aïe, 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 aïe. Elle va exploser celle-là, non ? Ouais. Ouais, trop bien. Elles étaient assez proches, eh. Elles explosent. Eh, on a toujours pas percé jusqu'à la base en dessous, hein. Donc du coup, là, on était 16. Ouais, on va faire les 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30, 31, et la 32e, 32. Ah, je me suis auto-mis feu. Louliloul. J'aime bien quand ça explose. Ah, oh, c'est très con. Ah merde, j'ai failli rester sur place. Vas-y, explose. Ouais. Je crois que mon armure, elle aime pas trop, mais j'aime bien quand même. Je vous avoue que j'ai un peu peur à me balader comme ça. Ah, oh, mais c'est terrible, on a toujours pas atteint le trou du dessous, ouais. Pouf. Pouf. Heureusement qu'on a enlevé les animaux. J'en ai marre, on voit pas le fond. On est censé voir le fond et on voit pas le fond. Alors on va mettre plus de TNT. On va tout finir. Ah, mais là on voit un trou, hein. Trop bien. Oup, oup, oup. Explose. Ouais. 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 Je vis dangereusement, je vis dangereusement, je vis dangereusement. Eh, hey, il est beau notre trou, hein. Oh, je suis fière de nous. Hein. On a fait un super coup. Et c'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux mettre un commentaire pour donner tes retours. C'est aussi pour le référencement. N'hésite pas à venir me soutenir en live sur Twitch parce que les épisodes sont faits en live. Le lien est dans la description. Allez, on se voit à la prochaine. Des bisous!